Bonjour, je m'appelle Nathalie Etrognier, j'enseigne l'option théâtre au lycée, actuellement en classe de première. Cette option, elle est ouverte aux élèves qui vont prendre confiance en eux grâce à la pratique du plateau. Ils vont découvrir leurs qualités corporelles, leurs qualités vocales. Ils vont se mettre en projet en s'intégrant à un groupe autour d'une création artistique. Bonjour, Fred Sébastien, enseignant de l'option théâtre en seconde et terminale. En dehors de la pratique du plateau, où on travaille en collaboration avec une comédienne professionnelle 4 heures par mois, nous allons voir des spectacles où l'élève acquiert une culture théâtrale et critique sur le spectacle vivant. Nous allons ainsi à l'Espace Doré à Machecoul, ou au Grand T, ou Lieu Unique sur Nantes. Cette option est un véritable atout pour le grand oral de terminale, ainsi que sur le dossier de Parcoursup. Au théâtre, ce qu'on fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout une approche scolaire. On n'est pas tous attablés à écouter un cours théorique. C'est super important. On fait des impros, des exercices tous ensemble. On est généralement entre 11 et 20, donc ce sont quand même des groupes assez petits. On peut travailler plusieurs points. Il y a aussi un aspect culturel, puisqu'on va avoir des pièces. Et pour la culture personnelle, c'est vraiment super important. Après, au niveau des cours, vraiment cours en eux-mêmes, parce qu'on est quand même au lycée, donc on est quand même là pour travailler. On a toutes les semaines, enfin une fois par semaine, 2 heures, sauf une fois par mois où on a 4 heures, et souvent ces 4 heures-là sont avec un ou une comédienne professionnelle. Voilà. Donc on a un apport extérieur qui est vraiment très très important, on progresse énormément, même à l'oral maintenant quand on a des oraux, notamment avec le grand oral qu'on a en terminale. L'approche est complètement différente, on est beaucoup plus confiant, on a beaucoup plus d'aisance, et ça c'est vraiment des avantages qu'on a par rapport aux oraux. Four.